Salam alaikum, Azulfillawen, bonjour. Nous commémorons aujourd'hui le 51e anniversaire de l'exécution, que dis-je, de l'assassinat du colonel Mohamed Chaban, Rabbi Rahmo, dit Chabani, de son assassinat par ceux-là même qui, avant que l'indépendance ne soit proclamée, avaient volé le fruit de la victoire, eux qui avaient fait main basse sur le pays et qui tuaient quiconque se dressait sur le chemin sans aucun état d'âme. Cet assassinat, dans ses circonstances comme dans les causes qui l'ont provoqué, fut en soi un des événements fondateurs du nouveau régime, de sa nouvelle identité, de sa nature profonde. Pour ceux qui surinterprétaient la marche du temps, le ton était donné, les avertissements lancés, avec on ne peut plus de vigueur, si l'on peut dire. Il ne restait plus qu'aux uns et aux autres, à tous ceux qui ont participé à la guerre de libération ou qui l'avaient rejointe quand l'issue ne faisait plus de doute, il ne leur restait plus de choix, pour eux tous, que de se ranger du bon côté, de celui du plus fort, ou de perdre la vie, ou de se vouer à l'exil ou au silence dans le meilleur des cas. L'assassinat du colonel Mohamed Chabani continue à ce jour de susciter de grandes interrogations. Ceux qui ont décidé de le faire mourir, comme ceux qui les ont eux-mêmes manipulés, ont fini par capter la totalité du pouvoir, par enfermer le peuple tout entier dans un carcan forgé à la mesure de leur petitesse, où ils ont enfermé l'histoire de la Révolution, où ils l'ont tordue à leur convenance, de façon à ce que fasse de la place à leur petite personne. Et jusqu'à aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, cet assassinat continue de peser sur les consciences, sur certains équilibres même. Nous avons essayé tout à l'heure de convier quelques personnalités, toutes aussi honorables les unes que les autres, et toutes impliquées un tant soit peu dans ces tragiques événements, qu'ils ont vécu eux-mêmes, dont ils ont été les témoins, vivants. Elles ont poliment décliné. Elles nous ont courtoisement fait comprendre qu'elles ne souhaitaient pas s'exprimer sur ce douloureux sujet. D'autres ont mal pris que nous les sollicitions, comme si le seul fait de les appeler au téléphone au sujet de cette affaire allait les compromettre, comme si de noires menaces continuaient de peser sur la scène du crime, comme si ceux qui se trouvaient dans le camp des assassins étaient encore tout-puissants, capables du pire. Et ce n'est pas là une vaine théorie du complot, je vous rassure. J'en veux pour preuve l'absence totale aujourd'hui, du moindre petit écrit dans la presse écrite algérienne d'expression française et peut-être même d'expression arabe aussi. C'est dire, cela ne peut pas en tout cas être le fruit du hasard. La presse de tout un pays, plus d'une centaine de titres, ne peut pas ainsi, par hasard, sans y penser, passer à la trappe une telle commémoration d'une aussi grande figure de la révolution algérienne, de celui qui fut l'héritier du colonel Silhouès, Rabbi Rahmou, à la tête de la Wilaya 6. Cela ne se peut pas. De la même manière que le régime n'a pas commémoré, même hypocritement, l'événement. Un régime qui semble désormais s'assumer, assumer ses crimes et ceux de ses mentors. Aujourd'hui, El Watan. Aucune parution sur la commémoration de l'exécution du colonel Chabani. TSA. Aucune parution sur la commémoration de l'exécution du colonel Chabani. Liberté. Aucune parution sur la commémoration de l'exécution du colonel Chabani. Et c'est ainsi dans toute la presse. Blackout, le grand blanc. Aucune parution sur l'assassinat, sur la commémoration de l'assassinat du colonel Chabani Mohamed. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique,
Abd al-Rahman Chaban, frère du colonel Mohamed Chaban, dit Chabani, Mohamed Khalifa Tahar, ex-capitaine de la zone 3, Wilaya 6, et Faisal Mattawi, journaliste, qui sera là pour commenter et poser des questions aux invités. On me dit que M. Chaban n'est pas encore avec nous. Mohamed Khalifa est avec nous par Skype. Mohamed Khalifa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci. Alors, c'est Mohamed Khalifa. Vous étiez dans la même prison, si on peut appeler cette résidence qui vous a été allouée en quelque sorte, avec M. Chabani, Rabbi Rahmo. Vous étiez dans la même villa, nous dit-on. Vous avez assisté à ces derniers moments. En fait, j'ai rejoint sa cellule, la cellule numéro 47, au niveau de la prison de Santa Cruz à Oran. Et pourquoi j'ai reconnu que c'était la cellule dans laquelle il était incarcéré, c'est parce que j'ai trouvé son nom tracé certainement par le manche d'une cuillère. Je reconnais très bien son écriture. Je connais surtout quand il écrit Chabani parce qu'il a un A qui est un peu spécial. Il est en forme triangulaire et c'est là où j'ai compris que c'était la cellule de Avant, j'étais dans une autre cellule à côté. Mais juste après son exécution, je fus transféré dans sa cellule. Est-ce que vous avez eu des informations sur ces derniers moments ? Le dernier entretien avec Mohamed Chabani, c'était exactement le 21 juin 1964, quand j'ai reçu pas un fax, parce que ce n'était pas encore le fax, un téléx, j'étais sous-préfet dans le temps à Biskra. J'ai reçu un téléx du président de la République, Bembella, m'invitant à rejoindre la présidence immédiatement. Donc j'ai pris ce téléx, je suis allé voir Sidi Mohamed Chabani, il me dit, Sidi Mohamed, voilà, je viens de recevoir un téléx signé du président Bembella. Je dois absolument rejoindre Alger. Quelles sont les recommandations ? Et est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Bon, il m'a dit, je sais de quoi il s'agit, j'ai dû. Monsieur. C'était le dernier moment où j'ai vu Sidi Mohamed Chabani vivant. Après, bon, j'entendais sa voix. À travers, comptons-nous dans l'occasion de pouvoir parler, parce que dans les cellules étaient hermétiquement hermétiques. Monsieur Mohamed Khalifa Tahar, nous avons un petit souci, on vous entend mal, il y a des coupures. Vous allez rester avec nous en Skype et on va vous appeler au téléphone. Comme ça, vous serez avec nous les deux pour qu'on puisse vous entendre mieux. Mais restez avec nous, je reviens à vous dans un petit instant. Abd al-Rahman Chaban, le frère du colonel Chaban, Mohamed D. Chabani, vient de nous rejoindre. Merci d'avoir accepté notre invitation, Abd al-Rahman Chaban. Abd al-Rahman. Merci. Alors, êtes-vous ce jeune frère du colonel Chabani qu'il a chaudement recommandé à son ami Sherif Khairdin avant d'être assassiné, avant d'être exécuté. Absolument, oui. Très bien, très bien. Alors dites-nous que... J'avais à l'époque 13 ans. 13 ans. Et vous étiez avec votre maman qui a... dites-nous comment était l'ambiance familiale, comment votre maman a accueilli cette terrible nouvelle. Ah, on commence par la fin. C'était pénible pour tout le monde. Nous étions en famille éclatée.
le grand frère Bahim, il était en prison. Le père Taher, le plus jeune, je suis le plus jeune, Taher qui avait 23 ans, 24 ans, il était monté à la montagne, de la montagne, il a rejoint le maquis. J'étais le seul à être avec la famille encore, à part son fils et les deux parents. On a appris ça à 8 heures exactement avec les informations. Sur les radios, la clinique radio algérienne d'Arcea à l'époque, à 8 heures, ils ont annoncé l'exécution du colonel Chadani. Ça a été répété à deux reprises, ils ont eu des informations et à la fin. La maman était pratiquement discrète, on a consenti, et puis on s'est rassemblés le lendemain. On a trouvé. Il n'y avait aucun homme, sauf le beau-père de mon frère Tahar. C'était un chef mois de la famille Midi. On a passé pratiquement 7-8 jours, pratiquement seuls, les femmes, les enfants. Il n'y avait aucun homme de la région ni de Chitra, ni des amis. On ne nous a pas donné aussi la dépouille du colonel. Si bien qu'on nous a certaines autorités de l'exécution du colonel. Abdelrahman Chaban, est-ce que vous avez été persécuté après l'assassinat de votre frère, après son exécution? Est-ce que votre famille a été surveillée, persécutée? Je ne me rappelle pas. Moi, il y a eu un passage au moment où le front a passage à la maison. Ils ont pris toute la maison, ils ont pris quelques photos. Directement, ils étaient ailleurs, les familles du colonel étaient cachées dans le village natal. Ce qui fait ils n'ont rien pris. Seulement, ils ont confisqué les biens de la famille suite à un décret portant confiscation des biens des contre-révolutionnaires. On nous a confisqué la librairie. Et puis, il y avait un besoin de la maman, un besoin quotidien. Il y avait tout entré à la maison pour suivre les besoins de la famille, les besoins les plus élémentaires. Abdelrahman Chaban, avant qu'on en arrive à cette tragique affaire, est-ce que vous pensez, avec de recul que vous avez aujourd'hui, que le colonel Chabani a fait une erreur en s'alliant à Bembella et Boumediene contre le GPRA? Je vais vous dire une chose, ça, on doit aller plus loin à la chose. Il y avait le congrès de Tripoli. Oui. Et les règlements de la participation à ce congrès dans les membres du PNR étaient constitués particulièrement de personnes ex-qualifiées, tels les membres de l'exécutif de chaque wilaya de l'intérieur. Oui. La wilaya, qui était présidée par le colonel Chadani, avait mandaté Houtine Fassi et Rina pour représenter la wilaya 6 au congrès. Avec consigne de se rapprocher de M. Boubiaf qui se trouvait en Tunisie. Oui. Quand il me dit, on s'est présenté chez M. Boubiaf compte tenu de la relation qu'il avait avec Ben Boubri, étant donné que la wilaya 6 dépendait à l'époque, il n'existait pas, c'était la suite de la wilaya 6. Donc il y avait une relation de confiance. Des personnes qui ont déclenché la révolution, entre autres, qui devient qu'il y a un rapport de droit avec Bengrid, un rapport de confiance, et celui qui a été à l'origine de la création de FLN. Bengrid, en recevant les quatre militaires, les trois militaires qui représentaient la wilaya, en les recevant, sans demander à le voir, quand ils sont rentrés, il a refusé de les. De faire asseoir, il y aura ainsi l'ordre d'abord d'enlever les tenues militaires parce que pour lui ce n'était pas représentatif. Il y a des gens faisant fi de toute la réglementation qui a suivi après leur mise à la. En suivant les tests. Or, le groupe s'est adressé à Bembella Boumediene de l'ONU, on leur a demandé est-ce que nous on est autorisé à assister Bembella Boumediene ont effectivement accepté parce que
les membres de l'élastique soient représentés par son arabe. Et ne se compte pas, ça a commencé la première rencontre. Alors, Chabani, il ne fait rien. Mais Chabani, c'est un élastique. C'était ça. Dans son excellent article qu'il a consacré à l'affaire, qui a paru au soir d'Algérie, Mehdi Chérif a écrit, il nous fait des révélations terribles, terrifiantes. Entre autres, il dit ceci. Il dit, le décret portant décision de l'exécution de la sentence est signé le 3 août 1964 par Houari Boumedine avant la tenue du procès. Comment Boumedine a-t-il pu signer un décret d'exécution avant que le verdict ne soit rendu? Je viens vous citer à peu près avec exactitude dans le cadre chronologique du texte ayant présidé à la radiation du colonel au fait de le casser de son grade et de l'exclure de l'état-major. Je vous en prie. Et toujours sur proposition du colonel, hein, où le bien qu'un décret a été pris le 2-7-64. Là, les fuyants des membres de l'état-major général ne sont pas personne de son grade. Et un autre, le 3 août, sur les propositions du colonel Aouane Boumedine. Ce décret, qui est de Boumedine, mais toujours ses propositions, a porté la création de la cour martiale. La cour martiale avec tout un fonctionnement dans le siège par le rang et qui confie le pouvoir de nommer les membres de cette cour au ministre de la Défense. Ce ministre de la Défense a le droit, le même jour de la sortie du texte de la cour martiale, a désigné les membres du tribunal qui étaient tous choisis par les gens qui viennent. On est ici, qui sont des Parisiens et d'autres, pour avoir reçu des services, parce que vous avez un grand là, parce que d'ailleurs, il n'a pas été condamné devant le writing, devant la fille de Samoa, bien sûr, dans le contexte de Abdelrahman Chaban, je me permets de vous interrompre. Le son est très mauvais. Je vais vous laisser avec le soutien technique. Ils vont voir comment essayer d'arranger. Il semble qu'il y ait une mauvaise connexion. Je vous laisse avec eux. Je reviens à vous dans un instant. Mohamed Khalifa Tahar, je reviens à vous. Pour essayer de bien comprendre l'affaire. Pendant la Révolution, quel a été ce problème, qu'a reproché par la suite le colonel Ben Chérif à Chabani au sujet de la guerre contre les gens de Bellounis? Quel a été ce problème fondateur, j'allais dire, de ce grand malentendu, de cette haine qui n'allait plus quitter Ben Chérif jusqu'à ce qu'il obtienne l'exécution du colonel Chabani? Vous êtes gentil de parler du... J'aimerais que vous parliez au téléphone. Essayez de parler au téléphone. Ouais. Oui. Voilà, très bien. Vous êtes gentil de parler de ce malentendu. Ce n'est pas un malentendu. Vous savez pertinemment que les troupes de Bellounis ont tellement fait de tort à la Révolution que nous avons perdu quelques milliers de shuhada de Moujahidine justement dans les affrontements avec ces troupes de Bellounis. Des troupes de Bellounis ont apparu vers les années 58 et ils sont apparus dans la ville de
effectivement, ils nous ont combattus, il était bien armé, il était soutenu par l'armée française. Quand il venait vers nous, il était escorté par les hélicoptères et par l'aviation de l'armée française, et également l'armée française était derrière eux. Nous avons donc mené un combat acharné pour faire asseoir le FLN dans la ville d'Annecy, c'est pour essayer justement de prendre la place. Une fois que Belouni est mort, ses troupes n'ont pas rejoint le FLN, ils ont continué effectivement à nous attaquer. Et je ne comprends pas. J'ai répondu moi-même justement à Belchérif quand il a écrit le fameux article dans lequel il disait que Chabani a liquidé ou a tué tant de personnes. Au fait, à la fin de à l'indépendance, il n'y avait pas plus de... Mohamed Chabani a donné l'autorisation à tout ce qui restait de l'armée de Belounis de soit rejoindre le maquis, soit de rentrer chez eux et déposer l'armée rentrée chez eux. La majorité sont rentrés chez eux et effectivement, personne n'a été inquiété. Il restait à peu près une trentaine, entre 20 et 30 personnes qui ont voulu rejoindre le FLN. Et personne n'a été inquiété, voilà, vraiment voilà, la... Personne n'a été inquiété, vraiment? Non, il y a eu des cas de moujahidine qui ont subi beaucoup de torts durant les affrontements avec les troupes de Belouni, et effectivement certains junoud qui ont enfreint l'autorité et ils ont certainement tué quelques-uns, ce qui est fort probable. Mais pour que Mohamed Chabani ait donné lui-même l'ordre de tuer, je ne pense pas, et à ma connaissance, je suis un homme très proche de ce Mohamed Chabani. Jamais un ordre comme ça n'a émané de la personne de ce Mohamed Chabani. Oui, je vous en prie. Si Mohamed Khalifa Tahar, quelle est la cause profonde, oui, de cette haine que vouait Boumediene à Mohamed Chabani? Pourquoi le haïssait-il tellement? Est-ce juste une question d'ego, d'affrontement pour le pouvoir? Ou est-ce parce que Mohamed Chabani combattait férocement, farouchement, l'encadrement militaire de Boumediene, majoritairement constitué d'officiers de l'armée française, qu'on appelle les DAF, déserteurs de l'armée française? Si Mohamed Chabani, évidemment, s'en prend le bon, pourquoi ben, je ne sais pas réagir comme ça, parce que beaucoup de ces éléments de Belounis sont de la région de Djelpa et très proche, donc peut-être de la famille de Belchérif, où il a de son environnement, parce que Belounis a pris surtout dans la région de Djelpa, Nagouat, et en petite partie dans la région de Boussada. Quant aux officiers de l'armée française, si Mohamed Chabani n'a jamais été contre les officiers de l'armée française, ni les déserteurs de l'armée française qui ont rejoint le maquis, qui ont combattu à nos côtés comme des héros, et nous avons beaucoup de respect pour eux. Si Mohamed Chabani a dit tout simplement, après l'indépendance, éviter de donner à ses officiers le commandement des unités, qu'ils soient au niveau de l'état-major, qu'ils soient au niveau des écoles, qu'ils soient au niveau des enseignants, de l'administration de la défense, d'accord, mais pas gérer des moujahidines. Et ça a été un peu la discorde entre Si Mohamed Chabani et Boumediene en personne. Et Belchérif se sentit brisé lui-même justement cette décision de Si Mohamed Chabani, ou plutôt ce vœu ou ce souhait de Si Mohamed Chabani. Restez avec nous, c'est Mohamed Khalifa Tahar. Faisal Mattawi est avec nous.
Faisal, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Jamel. Bonjour. Alors, Faisal, une question que je veux vous poser. Pourquoi la presse, dans son ensemble, n'a pas écrit une ligne sur cette commémoration? Mais c'est pas, je ne crois pas que ce soit un oubli, j'allais dire, organisé. Par le passé, plusieurs journaux, dont le journal Watan, Al-Khabar et d'autres, avaient évoqué l'assassinat du colonel Chahbani et beaucoup d'autres assassinats politiques qui étaient donc après l'indépendance ou même durant la guerre de libération nationale. Je ne crois pas, mais on est entré, Jamel, et c'est malheureux de le dire, dans une espèce d'amnésie. Il y a beaucoup de faits d'histoire qui sont importants, qui sont souvent passés sous le silence ou parfois oubliés. Vous avez par exemple, je vous citerai uniquement le cas des essais nucléaires français dans le sud algérien à partir de 62-63. C'était en février dernier, il n'y avait pas beaucoup de journaux et de médias qui sont intéressés. Mais je me dis aussi, Jamel, quel est le rôle de l'Organisation nationale des Moudjahidines? Est-ce que ce n'est pas son rôle justement d'évoquer ces faits d'histoire? Ou est-ce que l'Organisation nationale des Moudjahidines écrit uniquement l'histoire officielle, celle qui ne reconnaît pas par exemple l'assassinat de colonel Chahbani ou celle qui ne reconnaît pas l'assassinat de Ammar Ramadan ou de Krim Belkacem ou d'autres. Et c'est tellement la mission de toutes ces organisations et des centres d'histoire qui sont là pour collecter les archives, etc. Mais l'assassinat de colonel Chahbani, certains diront que ce n'est pas lié à la guerre de libération nationale, que c'est un pays de politique. Et à ce moment-là, on s'interroge quel est le rôle des historiens. Est-ce qu'il y a un seul livre paru en Algérie ou même ailleurs qui dit qui a tué Chahbani et pourquoi? C'est des questions qu'on se pose, Jamel, aujourd'hui. Et donc, s'intéresser à des faits d'histoire et de cette importance n'est pas uniquement la mission de la presse. Le Mehdi Chérif en parle dans un très long article qui est paru sur le Soir d'Algérie. Mais sinon, Faisal, beaucoup de gens pensent que Chahbani est mort surtout parce qu'il a vraiment voulu dénoncer de façon farouche la présence de l'armée d'officiers de l'armée française, venant de l'armée française, des déserteurs de l'armée française, qui occupaient, à son avis, beaucoup trop de responsabilités. Je cite un passage de l'article de Mehdi Chérif où il cite lui-même Mohamed Chahbani Rabbi Rahmou. Voilà ce qu'il dit. Je vise la demi-douzaine de mercenaires qui se cachent derrière Boumediene, qui ont les mains libres pour tout se permettre au sein de l'AMP. Il dit craindre, c'est Madichik qui parle, que profitant de sa position, Chabou ne soit tenté un jour ou l'autre par une opération démontage pour attirer ceux qui ont eu le même parcours que le sien, pour constituer une force avec laquelle il faudra compter. Et l'avenir lui a donné raison, puisqu'en fin de course, il s'est avéré que ces anciens de l'armée française ont mis le grappin sur tous les rouages du pouvoir. Votre avis, Faisal? Oui, écoutez, Jamel Chahbani, effectivement, à l'époque, il avait détecté des choses qui n'étaient pas normales. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Houel Boumediene est entré avec l'armée des frontières en juillet 62 pour ouvrir le feu sur qui? Sur les manifestants algériens. La première fois que l'armée algérienne, disons, post-indépendance, ou les premiers jours de l'indépendance, c'était l'armée algérienne qui venait des frontières, qui n'a pas fait bouger beaucoup de choses, qui a ouvert le feu sur les Algériens sortis manifester. Donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les dérives. Ce que Ali Haroun appelle l'été de la dissidence, c'est-à-dire l'été 62, et ce qui s'est passé après. Combien d'hommes politiques avaient dit non à Boumediene par rapport justement à la présence de certains officiers de l'armée française, avaient disparu? Il n'y a qu'à citer Khmisti, il faut citer également Krim Bakassem tué plus tard, Aïd Ahmed, Ahmed Medghri et d'autres. Vous savez, c'est une longue liste d'assassinats. C'est la politique. Et Houel Boumediene, le colonel Houel Boumediene, emporte une grande responsabilité comme ceux qui l'ont soutenu et ceux qui l'ont laissé au pouvoir pendant 13 ans. N'oubliez pas que Houel Boumediene est venu avec un coup d'État. Il n'a pas été élu et il a bloqué le pays pendant beaucoup d'années. Le résultat est là aujourd'hui. Comment le pays n'a pas d'économie, comment le
pays continue à être l'otage de la présence militaire partout dans les rouages de l'État et comme le pays n'arrive pas à passer à l'État des citoyens. Donc, Houari Boumediene avait commis l'acte, mais maintenant, est-ce que les historiens qui sont très nombreux en Algérie, qui font beaucoup de débats, mais sur des questions qui ne sont pas peut-être liées à ces aspects-là de ce qui s'est passé dans les années 60. Et aujourd'hui, on voit le résultat, on est toujours dans, on parle de clans, on parle de généraux qui sont, qu'on fait démissionner, d'autres qui ont mis en prison, etc. Tout ça, c'est la résultante de ce qui s'est passé déjà avant l'indépendance, c'est-à-dire à partir de 54-55 et après. Restez avec nous, Faisal. Nous accueillons de nouveau Abdelrahman Chaban. Merci d'être avec nous. J'espère que le son a été réparé. Abdelrahman Chaban, très bien. Alors, encore... Je vous entends très bien. Oui. Très bien, nous aussi on vous entend. Alors, encore un point sur ce nœud gordien qui a été la relation empoisonnée entre Boumediene et le colonel Mohamed Chabani. Je vous cite un autre passage de cet article remarquable de Mahdi Chérif. Chabani, qui n'a que parole de mépris à l'égard du planqué de Gardimaou, entre guillemets, ne s'embarrasse pas de précautions oratoires pour dire le fond de sa pensée. Il dénie à ce dernier la légitimité de faire de l'armée son marchepied et de la restructurer à sa guise. Selon lui, la légitimité à être le chef de l'AMP, Boumediene l'a perdue le jour même où il a fait ouvrir le feu sur les Moujahidines des Wilaya 3 et 4. Pourquoi une telle haine entre Boumediene et le colonel Chabani? Est-ce juste parce que Chabani dénonçait trop fort ses officiers de l'armée française ou est-ce parce qu'il craignait un rival? Abdelrahman Chaban. Hein? Oui, on la vous question, est... La moitié de la question, je ne sais pas. C'est-à-dire, je voulais savoir les causes profondes de cette haine que vouait Boumediene à Mohamed Chabani. Est-ce seulement parce qu'il le gênait en dénonçant tout le temps les officiers déserteurs de l'armée française ou est-ce parce qu'il voyait en lui un rival trop dangereux dans sa politique de prise du pouvoir? Je pense que c'est les deux à la fois. Pourquoi? Simplement, il y a un message envoyé par la Wilaya 6, déjà après le cessez-le-feu, le 20 avril 62, envoyé par la Wilaya 6. Donc, le colonel Chabani, c'est un message appelé par Harfi, document inédit. Je vais vous le lire. Oui. Premier conflit, message relatif au numéro 126 du 20 avril 62 de la Wilaya 6. Je lis le message. Oui, je vous en prie. Depuis proclamation du cessez-le-feu, élément responsable se disant mandaté par GPRA, ont évité de relever de leur position les militants qui ont contribué à la lutte révolutionnaire, leur et leurs substituts d'ordre, qui étaient les amis militaires. Stop. Ce qui se passe dans certaines villes et certaines wilayas. Stop. Nous devons attirer votre attention sur la gravité persistante de ce comportement qui ne fait que susciter colère population. Stop. Si cela demeurait, stop. Nous craindrons de perdre confiance du peuple. Ce qui signifierait son soutien lors du référendum. Fraternellement, le colonel Chabani, Wilayati. Le message a été réceptionné le 19 avril 62 à 12h50. Vers la date d'inscription, le chiffre, etc. Donc Chabani a commencé à attirer l'attention bien avant que vous ne viendrez de qu'il connaisse le monsieur. Oui. D'accord. C'est-à-dire, ouais. Lorsque vous ne viendrez arrivé à rencontrer Chabani en artifice, l'artifice a été très grand d'ailleurs. Chabani a tout de suite remarqué une chose qui n'a pas accepté, les bonnes tenues, le tenue vraiment neuf, les souliers, les chaussures qui étaient bien concernant les militaires qui donnaient des frontières. Il en a fait la remarque.
En plus, Chabani a fait un discours contre Abou Saïda et a un message déclarant, dénonçant en présence de vos médias la présence d'infiltrés au niveau des médias dans les administrations. Et il a commencé à répéter. Chabani a déclaré cela à vos médias, il lui a dit que cela, qu'on peut les utiliser dans des fonctions techniques. En plus, il s'est même, Boumediene s'est même rendu discrètement à Biskra pour aplanir le conflit en voulant mettre sous sa coupe Chabani. Chabani a catégoriquement refusé, se rappelant bien sûr les sacrifices de ses compagnons dans la montagne, se rappelant aussi la misère qui nous ont fait vivre les conflits. Et Chabani a toujours consulté, il dit que j'ai toujours consulté l'histoire. L'histoire nous a appris qu'un collabo, il ne peut pas participer à construire un pays nouvellement indépendant. Oui. Mais on vous entend, mais dites-moi Abdelrahman Chabani, La position de Shadi Ben Jdid, qui était membre du tribunal qui a jugé le colonel Chabani. Le Shadi Ben Jdid a été le seul membre du tribunal à ne pas avoir condamné, à ne pas avoir donné sa voix pour la condamnation à mort de votre frère, du colonel Mohamed Chabani. Et il a même fait plus. Il a permis à votre frère de recevoir son ami pour lui transmettre ses dernières volontés, son ami Sherif Khairdine. Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, cette attitude de Shadli Ben Jdid Rabbi Rahmou à l'endroit de votre frère? Shadli Ben Jdid nous apprend à travers l'article qu'il a, une interview qu'il a eue avec Al-Khabar, le journal de le 4-12-2008. Il nous apprend. Je dirais, en résumé, oui. Voilà, je vais exactement ce qu'il a dit. Boumediene a pris attache à des droits pour le dire. Le président Bembeleza vous demande de condamner le colonel Chabani à mort. Et si vous voulez vérifier, vous n'avez qu'à prendre attache avec Bembeleza. Oui. Je pense que c'est un problème de confiance. Sachant que Chabani n'avait pas commis les griefs qu'on lui reprochait, notamment la scission. Il dit d'ailleurs, dans la suite des jours, je me suis rendu comme vous me dites, là, parce que j'étais responsable des bases locales, le jour où je me suis rendu à Biskra, je n'ai pas trouvé une seule résistance. J'ai trouvé la veste du colonel Chabani avec sa carte dans la poche de la veste sur le banc de bureau accroché à un truc. Oui. Je pense que c'est un problème de confiance. Il a voulu réveiller sa confiance. Restez avec nous. Restez avec nous, Abdelrahman Chabani. Je retourne à Mohamed Khalifa Tahar. Mohamed Khalifa Tahar, vous avez été officier de l'Armée de Libération Nationale. Vous avez été un témoin très actif d'événements très, très importants au cours de la guerre de Libération Nationale. Et aujourd'hui, quel est votre sentiment devant cet immense gâchis? Pourquoi le peuple algérien n'a-t-il pas le droit, enfin, plus de 50 ans plus tard, de connaître certains aspects de cette révolution qui lui ont été cachés, ou qui ont été maquillés, ou qui ont été forgés en fonction des désirata des maîtres de l'heure? À mon avis, la meilleure façon c'est de donner la vérité, c'est de la vérité au fait que Mohamed Chabani était un obstacle pour Boumediene, pour ce qu'il prétendait faire, ou c'était un obstacle pour du coup d'État. Mon témoignage, si Boumediene est venu en 1964 à Biskra, et j'étais avec Mohamed Chabani l'accueillir à l'Otaya, à peu près à 20 km de Biskra. Ah, donc, ils sont montés dans ma voiture, c'était moi qui conduisais, entre le chauffeur de Boumediene, je suivais, et chemin faisant,
وبديان شيت ادريسي سي محمد شعباني قال له محمد ماذا بينا ما نكشفش ليطا ماجور اسكو سي بوسيبل دالير شي محمد طاهر خيطا دار لي سي محمد قال لي سا بو داروش با قلت له ابسوليمون با دونك اون اي بارتي شي موا اي toute la soirée jusqu'à pratiquement 3 heures du matin, Mohamed Boumedien essayait de convaincre Sim Had Chabani en lui disant ces bonhommes qui étaient en prison, je les connais très bien, les hommes politiques, je les connais très bien, mais n'écoutez pas Boumedien, n'écoutez pas plutôt Bambella, n'écoutez pas ces hommes politiques, joignez-vous à l'armée, l'avenir est entre les mains de l'armée. Et si Mohamed Chabani ne cessait de lui dire, maintenant que l'Algérie est indépendante, pourquoi ne pas suivre la légalité et le fonctionnement normal d'une nation? Et si Boumedien répétait toujours la même chose, c'est l'armée qui compte, ne suivez pas ces hommes politiques. Et tout guerre là, Boumedien avait compris qu'il ne pouvait pas avoir Mohamed Chabani. Et il ne pouvait pas donc le convaincre pour faire partie de son clan. Moi, j'ai connu Mohamed Chabani en octobre 1956, au moment où il était secrétaire chez Sirhou Wesley. Il avait 22 ans à ce moment. Il avait 22 ans à ce moment. En 56, il avait 22 ans. Faites le compte, en 64, j'avais... Il avait 30 ans. Non, en 56, ben, j'avais 17 ans. Ouais. Non, il est né en 34, donc j'imagine qu'il devait... Oui, Mohamed Chabani, il est né en 34, effectivement, le 3 décembre 34, et il a pris le maquis au mois de mai 1956, lors d'une opération... Ils ont fait Chebga à côté de Biskara. Oui. Ils ont attaqué le contentement d'une société qui faisait la route. Et ce contentement, il y avait des armes. Et c'était dans le but de récupérer ces armes. Et c'est à partir de cette action militaire qu'il a pris le bâti. Et quand il a rejoint, avant, c'était pas la Wilaya 6, c'était la Wilaya 1 qui dépendait des ORF. Donc il est rentré directement au secrétariat de Sirhou-Ouest. Et il a gravi tous les grades de la hiérarchie jusqu'à être porté colonel en 1961. Oui, effectivement, il était colonel en 1961, mais avant 1961, il était capitaine chef de la zone 3. Et c'était le plus jeune colonel de la révolution algérienne. C'était effectivement le colonel le plus jeune de la révolution, aussi bien des colonels de ceux qui étaient à l'extérieur que ceux qui étaient à l'intérieur. En plus de ça, c'était un des rares arabisants qui était au bâti. Je ne compte pas Boumedien, je ne compte pas Sierry Kiafi et beaucoup d'autres. Mais parmi les colonels, c'était le troisième ou le quatrième arabisant. Mohamed Khalil Wattar, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous arrivons bientôt au terme. Je vais revenir à Faisal Mottawi. Faisal, brièvement, avant de revenir à Abdelrahman Chaban pour laisser clôturer l'émission. Faisal Mottawi, un dernier mot. Un dernier mot, il faudrait qu'on se rappelle, Jamal, que Colonel Chabani a été condamné par une cour martiale dans un procès expéditif. C'est l'un des procès les plus sales, excusez-moi l'expression, de l'histoire de la justice algérienne. Certains, ceux qui l'ont jugé et ceux qui défendent encore le principe d'une justice indépendante qui était indépendante et qui faisait son travail après l'indépendance, devraient peut-être revoir, hein, parce qu'ils sont, ils ont écrit ou dit. Et je lance également un appel à tous les historiens, parce que je pense qu'il y a une certaine lâcheté par rapport à cette question. Il faudrait qu'on nous écrive des choses, qu'on nous écrive ce qui s'est passé. Et vous avez remarqué, Jamal, que Ahmed Ben Bella, qui a condamné Chabani, qui a été lui-même après mis en prison, est parti sans écrire ses mémoires. Donc il y a encore des choses à écrire sur l'histoire de la guerre de libération nationale. Merci Faisal Mottawi. Abdelrahman Chaban, avant de vous laisser finir cette émission, dont nous arrivons à la fin malheureusement, je voudrais citer un autre extrait
de cet excellent article de Mahdi Chérif. Le colonel Mohamed Chabani meurt courageusement à 5h14 du matin. Le 3 septembre 1964, après avoir refusé d'avoir les yeux bandés et de demander son pardon à Bembella, il regarde la mort en face. Adieu nous apparte, et la salve lui fracasse la poitrine et le fait taire pour l'éternité. Je vous en prie, Abdelrahman Chaban, je vous laisse finir cette émission. Nous l'avons malheureusement perdu, c'est un grand dommage, c'est dommage. Je finirai cet extrait donc de Mahdi Chérif. La salve qui lui fracasse la poitrine le fait taire pour l'éternité. Le corps du supplicié subira le même sort que ceux des colonels Amirouche et El-Houès. Ahmed Ben Chérif refusera d'indiquer l'endroit où il l'a fait enterrer. La dépouille sera frappée de séquestre pendant 20 ans. La famille du colonel Chabani remuera ciel et terre pour la retrouver en vain. Mais nous retrouvons Abdelrahman Chaban. Abdelrahman Chaban, nous arrivons à la fin de l'émission. Malheureusement, je vous laisse conclure et je vous remercie pour votre participation. Voilà. Merci pour cette émission. Que dire encore? On aurait souhaité être en direct pour plus d'informations. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des témoignages de présidents de la République concernant cette affaire, concernant ce pouvoir, notamment du duo de Bembella Boumediene. Malheureusement, Abdelrahman Chaban, je vous lance depuis cette émission une invitation directe. Vous êtes le bienvenu, ainsi que Mohamed Khalifa Tahar, à venir chez nous pour vous exprimer, pour dire au peuple algérien tous les détails de cette tragique affaire. Je vous remercie beaucoup, comme je remercie le capitaine Mohamed Khalifa Tahar, comme je remercie Faisal Mattawi. Avant de vous quitter, je voudrais vous informer, si tant est que vous ne le savez pas déjà, ou de vous le rappeler, que hier, nous avons perdu le grand cheikh du Chaabi, Boujamal Anqis, qui a été enterré tout à l'heure au cimetière d'Al-Qattar à Alger. Priez pour lui, Fatiha. يا بحر الغم السلام عليكم. cette émission est maintenant terminée. بقاو على خير.